voulez enlever le masque pendant la présentation. Les personnes qui sont en train de parler sont autorisées. Donc, vous pouvez le baisser le temps de la présentation si vous préférez. Donc personne n'a d'objection à ce que je baisse le masque ? Non. N'hésitez pas. Hein. Non, aucun c'est... problème. Aucun problème ? Bon, d'accord. Et ça vous... Ah oui, super. Alors, est-ce que ça marche ? Super. Parfait, ça marche. Alors, du coup, je vais commencer. Et puis, alors, combien de temps vous m'accordez alors ? Alors, vous avez une demi-heure d'intervention, vous pouvez un peu dépasser, ça ne va pas vous couper dans votre intervention. D'accord. Environ une demi-heure, et puis, vous pouvez faire un peu plus. Et n'hésitez pas à déborder de 10 minutes si vous en avez besoin. Ah non, si je déborde, c'est 3 heures. Ah ! Ils ont l'image, va nous mettre dehors alors. Non. Bon, je vais essayer d'aller très très vite alors. Parce que je suis un très grand bavard. En plus, c'était passionnant cette intervention de Marianne précédente parce que ça rejoint un certain nombre de choses que je vais vous raconter. Alors, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Donc, je me présente Yadmine. Un immense merci. Je suis très très touché que vous m'ayez invité à cette journée d'études. Ça va être le bordel, c'est-à-dire moi je ne suis pas très structuré dans ma façon de raconter les choses et je fonctionne un peu dans la serendipity. Et j'ai un support qui est mon métaverse personnel que vous voyez là, dans lequel on peut s'immerger, je m'immerge, et que vous pouvez aussi télécharger. Hein, c'est un musée virtuel qui me sert de support à conférence. Alors je ne sais pas pourquoi il est à genoux là. Je vais juste essayer, sinon je vais le redémarrer. J'ai l'impression que mon Mac est un peu... ouais, je suis complètement à genoux là au niveau du débit. Je vais redémarrer le Mac parce qu'en fait il est sans doute... Je vais vous parler à travers en fait sur le sujet de l'échappatoire. J'ai pensé à Laborie sur la notion d'art et d'échappatoire. C'est-à-dire Laborie, vous connaissez l'histoire des rats. On a des rats qui sont soumis à des stress permanents. Hein, c'est assez comparable à ce que nous vivons au quotidien en ce moment, mais même avant. Hein. Et le rat n'a que 3 solutions hein, pour Laborie, c'est-à-dire que soit il tombe malade et il meurt à cause du stress régulier. Certains rats vont développer des stratégies d'agressivité, de combat. C'est-à-dire qu'une façon d'échapper à la mort, en fait, c'est de se battre, c'est la guerre, c'est l'attaque. Et ou la fuite. Hein, mais quand le rat n'a pas la possibilité de fuite, il finit soit par mourir, soit par se ronger ses barreaux de la cage ou se battre avec les autres rats à côté au moment, juste avant que la décharge électrique n'arrive. Et une chose que Laborie n'évoque pas, parce que bien sûr il n'a pas pu faire son expérience, c'est que nous ne sommes pas des rats. Nous sommes des humains. Et les humains ont un truc de ouf total pour échapper à la mort générée par le stress et par la violence, c'est l'art. J'en suis convaincu, c'est-à-dire que nous avons des capacités de traitement de l'information à un très très haut niveau, ce qui caractérise l'humanité d'un point de vue cybernétique, et nous allons nous échapper par l'information. C'est une proposition que je fais. Alors, tout ce que je vais vous raconter là n'est pas scientifique. Hein. Je ne suis pas un scientifique, je suis vraiment un artiste. Donc, même si je vais faire des références scientifiques, c'est un sujet à, évidemment, à interprétation subjective, artistique de ma part. Et donc, moi, je pense, et j'en suis convaincu, que l'art est vraiment un outil stratégique que nous utilisons. Et ce que je vais vous... Alors, en fait, il est en train de faire visiblement un upgrade. C'est vraiment la loi de l'emmerdement maximum. Bon, c'est pas grave. Je continue oralement. Et je vais vous raconter, en fait, j'ai eu la chance, en fait,
d'avoir une, d'être né dans une famille de... Mes parents étaient des militants communistes à un assez haut niveau à Lorient, une ville de province, et très très impliqués dans la vie sociale. Ils passaient leur samedi après-midi à aider les gens à remplir tous leurs formulaires pour obtenir... Mon père était médecin, donc pour pouvoir être... comment on va dire, toucher leurs indemnités, leurs assurances chômage, etc. Parce que déjà, dans les années 60-70, c'était extrêmement difficile. On devait se battre en permanence contre un pouvoir, contre une administration qui n'avait qu'une intention, c'est de nous spolier de nos droits et nous prendre la tête. Et en fait, j'ai eu une éducation communiste. Donc j'ai été éduqué à... d'une part à faire la révolution par les armes, puisque la révolution communiste est une révolution par les armes, donc à 12 ans, je savais ce qu'était la révolution, c'est forcément une révolution assez, assez violente, parce que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. C'est-à-dire le capitalisme, j'ai appris très très tôt que le capitalisme ne vous donnera, et ne nous donnera jamais le pouvoir. C'est-à-dire que ça sera forcément violent si une révolution se déclenche. Donc j'ai été éduqué à la révolution par les armes, mais... mes parents étaient plutôt, je dirais, pourraient correspondre à des gauchistes, en fait, en réalité. Ils étaient bien que très pro-Union soviétique, etc. Ils ont vécu dans l'illusion du stalinisme jusqu'au dernier moment. Mais ils étaient plutôt, je dirais, dans la veine d'Éluard et de Picasso et autres. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai aussi été éduqué à l'art. C'est-à-dire que pour l'utopie communiste, qu'on a oublié d'ailleurs, c'est d'arriver à sa réalisation. C'est de vivre dans une société où on n'est pas obligé de se battre pour survivre et où l'ensemble du système social nous aide à chacun, individuellement et collectivement, à arriver à notre réalisation. Et donc, l'art était un outil de réalisation pour mes parents. Et donc, j'ai été éduqué, et c'est une chance inouïe, j'ai eu une enfance merveilleuse de parents qui étaient nantis, c'était des petits bourgeois de province, donc ils avaient quand même pas mal d'argent. Et pour vous donner un ordre d'idée, chaque fois que je voulais acheter des biens de consommation, il y avait des réticences, des fringues, des trucs comme ça. Mais par contre, chaque fois que je voulais acheter du matériel artistique, du matériel de création ou de communication, j'avais quartier libre, j'avais un compte ouvert à la librairie locale. Et donc, je pouvais faire ce que je voulais. Et donc, j'ai eu cette chance inouïe d'avoir accès à l'art très très tôt, à la création artistique très très tôt. Et je me suis immergé à 200% dans la création artistique dès 13-14 ans. J'avais des aptitudes en dessin. Et du coup, j'ai eu un environnement merveilleux qui n'a pas duré très 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 longtemps, puisqu'ils sont morts assez tôt. Mais j'ai bénéficié d'une éducation à l'art. Avec un sponsoring parental très très fort. Et tout ça pour vous dire, alors justement je vais vous montrer et ça rejoint d'ailleurs ce que Marianne a évoqué sur le shifting et des choses comme ça. C'est-à-dire que très tôt, je me suis rendu compte que j'avais des... Et alors j'ai posé la question sur les... Justement l'Internet est très intéressant pour ça, Facebook est très intéressant pour ça, parce qu'on peut faire des petites enquêtes extrêmement rapides. Et j'avais un truc, étant môme, c'est que les musiques généraient une forme de synesthésie, je pense, je voyais des scènes. C'est-à-dire, dès que j'entendais une musique qui m'inspirait, je m'immergeais dans des scènes et je voyais des scènes complètes, comme du film, des scènes originales. En plus, c'était pas des redites de manga ou de films que j'avais vus ou d'autres choses, c'était des scènes originales qui m'apparaissaient. Comme si je me baladais avec un drone dans un immense paysage où il y avait des événements dramatiques, lyriques, extraordinaires. Et ça me le faisait systématiquement dès que j'écoutais de la musique. Et en posant la question sur Facebook, j'ai découvert que nous ne sommes pas si nombreux à avoir cette capacité-là ou cette aptitude à visualiser des cosmogonies. Et ça rejoint le shifting. C'est-à-dire que je m'évadais donc avec la musique. Et alors j'avais emprunté le groupe de rock de Lorient. J'étais très branché, j'allais les écouter répéter. Et ils m'avaient prêté leurs colonnes Mi, des grosses colonnes de sono. Je les avais allongées sous mon lit, dans ma chambre. Ça aussi, c'était la chance que j'avais. Donc j'avais une grande chambre au dernier étage de la grande maison familiale. Et je m'allongeais sur les colonnes de sono, je mettais de la musique psychédélique de l'époque et je voyageais dans des univers parallèles,
qui émergeaient, qui m'apparaissaient pendant ces moments-là. Et avec une force très très grande. Et donc ça me fait beaucoup penser à ce que Marianne évoquait là, actuellement, qui est cette notion de shifting. Alors, ce n'était pas une évasion. C'est-à-dire que ce que Marianne expliquait, c'est qu'il y a une volonté, dans l'enquête qu'elle a faite, d'essayer d'échapper à l'oppression du quotidien. Alors moi, j'avais un quotidien génial, hein, sauf que je m'emmerdais, c'est-à-dire que j'étais un peu décalé par rapport à l'ensemble des enfants de mon âge, et du coup, je voyageais dans mes propres univers. Donc j'avais pas une... Et en plus, j'étais à Lorient, hein, qui est une ville quand même assez géniale au niveau près de la mer, etc. Donc je vivais pas dans un contexte où j'avais besoin d'échapper à une oppression sociale. Mais je shiftais, en fait, je voyageais, jusqu'à un moment, alors là, je vous le montre. Ce que j'ai modélisé là, je l'ai modélisé avec Unity, ça c'est la version Unity, mais la première version, c'est j'avais hacké le jeu qui s'appelle Unreal Tournament pour fabriquer mes premiers musées virtuels. Et donc là, je vais juste le redémarrer en appuyant sur B. Alors vous pouvez le télécharger, hein, aller sur Internet. C'est mon propre métaverse, si je puis dire. Et là, vous voyez, on vient de tomber dans mon bateau violon. Le bateau violon, c'est-à-dire, ça fait partie, j'ai commencé à fabriquer ces univers, ces visions que j'avais. Et dans ces visions, je visualisais un monde qui est dans mon roman, qui s'appelle le monde des récifs, et qui est un monde de rochers volants dérivant dans les airs. Alors, vous connaissez tous ce mème, ou archétype, hein, puisque le film de Cameron, Avatar, l'a mis en scène de façon absolument fabuleuse, extrêmement réaliste. Mais déjà, donc, à l'époque, c'est 74, 73, je dessine à l'école, hein, dans les marges de mes cahiers, parce que je passais mon temps à dessiner en cours, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Je dessinais cet univers de rochers qui dérivaient dans les airs. Alors, d'où vient-il ? Et je vais vous raconter deux anecdotes à ce niveau-là. D'où vient-il ? Alors, il se peut que j'ai été influencé par... alors, si on appuie ici, on peut changer de caméra avec la touche T. Voilà. Et donc, vous voyez, ouais, on voit ce monde de rochers. Et là, j'ai accosté sur une plateforme. Voilà, on est en train d'accoster sur une plateforme de science-fiction, parce que je suis immergé dans la science-fiction depuis le début. Et sur cette plateforme de science-fiction, si je les ai là, mais on ne va pas s'attarder parce que je veux aller très vite au vif du sujet. Donc avec ma petite caméra, je vais rentrer. Alors je ne sais plus quelle version il y a du Nomisum, il est en pleine. Alors surtout, je ne monte pas sur le téléporteur qui est là. Et je vais sauter dans les coursives qui sont en dessous. Et je pense que là, ici, j'ai quelques images. Ouais, voilà, elles sont là. J'ai un petit diaporama. Donc, à la fois des dessins que je faisais à l'époque, qui étaient des dessins hyper réalistes. Hein. J'étais totalement habité, non pas par le conceptuel, mais par la science-fiction. Et ça m'a valu, en fait, ça, c'est un truc génial, hein, qui vient d'arriver. C'est que la science-fiction et la figuration réaliste est très très mal vu des arts plastiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Bah parce que la figuration réaliste, c'est la propagande communiste, la propagande nazie. Et en fait, la science-fiction passe par la figuration réaliste. Et j'ai toujours fait de la science-fiction et de la figuration réaliste depuis le début. Et la chance inouïe qui vient d'arriver, hein, vous avez vu avec les NFT et Beeple, moi j'ai eu trois orgasmes quand j'ai découvert ça il y a trois mois, hein, c'est que la Christie's, donc une des plus grandes institutions, je dirais, commerciales d'art plastique, et de vente et de marché de l'art, a vendu pour, je crois, 90 ou 60 millions de dollars, une œuvre, une NFT, hein, une œuvre de smart contract, de crypto-monnaie, l'équivalent, hein, et d'un artiste qui s'appelle Beeple. Et Beeple, je le suis depuis des années, c'est un auteur de science-fiction. C'est quelqu'un qui fait, comme moi, des univers de science-fiction, qui fait de la modélisation de science-fiction, et il a vendu une œuvre 90 millions de dollars. Pour moi, c'était surréaliste. C'est-à-dire qu'il y a une bascule qui vient de se produire actuellement, où tout d'un coup, ce champ dans lequel j'évolue, qui est le champ du cyberpunk et de la science-fiction, vient tout d'un coup d'émerger massivement dans le plus haut niveau du monde marchand, ce monde capitaliste de l'art. Donc ça, c'était une grande jubilation. Donc vous voyez, je dessinais des rochers volants. J'ai sans doute été inspiré par... alors, je me suis posé la question de d'où venaient ces rochers volants. Alors, l'autre anecdote que je vais vous raconter aussi, c'est...
c'est parce que ça rejoint ce que vient de dire Marianne sur le shifting. C'est que le shifting, c'est pas juste voyager. Enfin, moi, ce que j'ai vécu, c'était des, moi j'appelle ça des états de conscience modifiés, en fait. Et en fait, là, je dois avoir un téléporteur qui va me ramener juste pour une simulation. Je vous raconte juste cette anecdote, c'est-à-dire, et c'est, ça m'a beaucoup plu d'entendre Marianne en parler aussi, c'est que je voyageais aussi dans ma sexualité. C'est-à-dire, la sexualité, comme l'art, sont des outils qui permettent de voyager, de changer de dimension, de voyager par la spiritualité, de traiter de l'information à très très haut niveau. Et un jour, je ne veux pas vous parler des voyages à vocation sexuelle, mais par contre, un jour, je racontais des histoires, je me suis mis, cet univers qui m'apparaissait, je me suis mis à le raconter. Et un jour, j'étais dans une forêt avec une amie, et on arrive dans une clairière, et au milieu de la clairière, on s'assoit et je lui raconte le monde des récifs. Cet univers qui m'apparaît par vision régulière, je suis en train de le lui raconter. On est assis sur, c'était dans la forêt de Quimperlé. Et je remarque, pendant que je racontais l'histoire, quand vous racontez des histoires, quand vous êtes conteur, vous générez un espace. On génère un espace collectif avec les auditeurs et tout le monde. Et soi-même. Et je vois des gens arriver à l'entrée de la clairière et ils font un grand tour. C'est-à-dire, ils nous contournent, comme s'il y avait une bulle autour de nous. Et je vois même un chien arriver en courant, et le chien s'arrête au même endroit, à l'entrée de la clairière, et il fait le tour aussi. Et là, en même temps, je raconte tout ça. Et à ce moment-là, j'ai un état de conscience modifié absolument génial, où j'ai vu, pendant que je racontais l'histoire, le paysage a disparu, et j'ai vu cet univers de rochers qui m'entourait. Hein, je l'ai vu, c'est une vision, une espèce d'état de conscience modifié, c'est du shifting en grandeur réelle. Alors je vais revenir un petit peu en arrière, là, c'était juste une petite simulation donc, du No Museum. Et donc je me suis posé la question de, mais c'est quoi cet univers? D'où vient-il? Est-ce que c'est des visions transcendantales qui me tombent dessus parce que je suis Yadmin et que je suis connecté avec une divinité qui essaie de communiquer avec moi? Ou est-ce que c'est autre chose? Alors, il se trouve qu'en fait, à l'époque, et nous sommes tous, alors je me définis aussi comme un no-note, c'est-à-dire un explorateur des sphères de l'information, et j'arrive pas, bon c'est pas très grave, je voulais vous montrer les images de Roger Dean. En fait à l'époque, en 1974, on a un illustrateur qui fait les pochettes de disques du groupe Yes, et qui dessine des rochers volants. Et il se peut que j'ai été influencé par ces rochers volants. Mais d'où viennent ces rochers volants? Justement, quelle était l'origine dans l'histoire des rochers volants? Et en fait, au début, il y en a très peu. Il y a l'idée, par exemple, de la Jérusalem céleste. Ensuite, vous avez Swift, où on a ce qui a été réadapté par Miyazaki avec le château dans le ciel, hein, c'est-à-dire on a un château volant. Ensuite, on a très peu en fait d'occurrences de ce type-là. On a quelques textes, j'ai oublié, là je ne les ai pas en tête, mais ce n'est pas très grave. On a Magritte avec le château pyrénéen, hein, avec un gros rocher qui vole, etc. On a quelques peintres surréalistes qui commencent à peindre des rochers qui dérivent dans les airs. On a Roger Dean qui dessine ces fameux rochers qui volent. Je commence à en dessiner. Et une étudiante des Beaux-Arts qui venait de... Pas des Beaux-Arts, d'ailleurs, une étudiante de Nantes qui venait de rentrer au lycée en cours d'art plastique avec moi. Je regarde son carnet de dessin et je vois des rochers volants qui dérivent. Et alors, la suite de l'histoire, c'est que les rochers volants, je vais les voir se développer dans les jeux vidéo, énormément dans les jeux vidéo, ils vont émerger dans les jeux vidéo, et puis ils vont se répandre, mais massivement, c'est-à-dire avec l'Internet, avec la communication horizontale à travers les réseaux, ces rochers volants vont arriver jusqu'à l'apothéose que vous connaissez, donc d'Avatar. Hein, quand j'ai vu Avatar, je me suis dit, c'est hallucinant, on a dû se croiser quelque part dans mon monde des récifs avec Cameron. Alors, je pense personnellement que ces rochers volants, c'est cette vision, ce shifting que j'ai fait, que je fais toujours d'ailleurs, je peux très facilement déclencher dans ce shifting dans cet univers, cette cosmogonie qui a d'ailleurs initié un roman, je pense que ce sont des mèmes. Alors, est-ce que vous savez ce que sont les mèmes? Alors, je vais aller vite, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Souvent, on pense que les mèmes, c'est un mot qui est rentré dans la culture populaire contemporaine, désigne les fake news ou les légendes urbaines qui circulent sur Internet. En fait, c'est un mot qui est beaucoup plus ancien, qui date de 1974,
Je vais aller le voir. Ici, c'est à cet endroit que j'appelle la croisée des chemins. C'est-à-dire, c'est le moment qu'on est en train de vivre en ce moment, la croisée des chemins, et qui a commencé avec un processus d'émancipation collective dans les années 60-70, à partir du féminisme, hein, à partir d'une revendication du corps et de soi-même, une revendication identitaire, hein, du féminisme mais aussi des Noirs américains, avec les Angela Davis, par exemple, avec aussi la revendication identitaire des Amérindiens, hein, des Autochtones, qui se sont fait exploser, mais qui ont réussi à s'imposer avec les Wounded Knee, par exemple, l'affaire de Wounded Knee. Mais on a d'autres phénomènes informationnels, hein, qui évoluent. Alors, je vous conseille d'aller jeter un œil là-dessus, c'est très intéressant parce que c'est un mot qui a été utilisé par dérision. C'est tout ce courant de pensée que les Américains appellent par dérision la French Theory. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un aller-retour informationnel avec des gens comme Foucault, Derrida, etc., qui ont influencé les jeunes universitaires américains, et ça nous est revenu à travers les mouvements LGBTQI. Mais pas que. Et on a un penseur très intéressant ici, qui s'appelle Richard Dawkins, qui est anglais, lui, par contre. Et Richard Dawkins sort un bouquin très intéressant, qui fait déjà du bruit à l'époque, qui s'appelle « The Selfish Gene ». Et alors, ce qui est rigolo, c'est ce que j'adore, moi, c'est chez les scientifiques, comme ça soit Norbert Wiener, qui a inventé la cybernétique, et d'autres, c'est que les scientifiques ont une forte propension à partir en live. Hein, c'est d'ailleurs le sujet du cours que je donne dans les grandes écoles d'ingénieurs. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont une rigueur tout à fait scientifique dans leur travail qui vont les rendre souvent célèbres. Mais de temps en temps, ils partent totalement en live et se mettent à faire de la poésie. Et alors là, je vais vous lire juste un petit texte qui est absolument génial. Donc, c'est le bouquin assez relativement scientifique de Richard Dawkins, Le gène égoïste. Et il part en live, c'est-à-dire il y a un petit chapitre qui dure 3 pages. Et je vous lis parce que à chaque fois, je m'éclate. Je pense qu'un nouveau type de réplicateur est apparu récemment sur notre planète. Il nous regarde bien en face. Alors déjà, on est dans de la poésie. Hein. Il nous regarde bien en face. C'est pas une formulation scientifique, ça. Hein. On est en train de personnaliser cette chose qu'est un réplicateur. Un réplicateur, c'est quoi? C'est une référence génétique aux premiers réplicateurs qui sont apparus dans l'histoire du vivant. Hein. Au tout début du vivant, on a des choses qui ont disparu maintenant, des organismes nanoscopiques à l'échelle des molécules qui ont commencé à se répliquer. On appelle ça les réplicateurs. Et donc, je reprends. Je pense, donc il fait référence à la soupe originelle de la génétique. Un nouveau type de réplicateur est apparu récemment sur notre planète. Il nous regarde bien en face. C'est encore un enfant. Il se déplace maladroitement dans la soupe originelle. Hein, soupe originelle, hein, c'est aussi une référence importante. Mais subit déjà un changement évolutionnaire à une cadence qui laisse les vieux gènes pantelants et loin derrière. La nouvelle soupe est celle de la culture humaine. Nous avons besoin d'un nom pour ce nouveau réplicateur, d'un nom qui évoque l'idée d'une unité de transmission culturelle ou d'une unité d'imitation. Mimème vient d'une racine grecque, mais je préfère un mot d'une seule syllabe qui sonne un peu comme « gène ». Aussi, j'espère que mes amis épris de classicisme me pardonneront d'abréger mi-même en même. Si cela peut vous consoler, pensons que même peut venir de mémoire ou du mot français même qui rime avec crème, qui veut dire le meilleur du dessus du panier. Donc c'est un mot français, c'est un mot d'origine française, hein, de la part de Richard Dawkins. Et en fait, l'idée de Richard Dawkins, c'est un jeu d'inversion de pensée. C'est-à-dire que, en fait, les idées et les concepts sont des entités vivantes qui se servent de nous pour se reproduire. Voilà, c'est ça l'idée des mêmes. Hein, c'est-à-dire qu'on ne raisonne pas, c'est nous qui générons les idées et les concepts, ce sont les idées et les concepts qui nous génèrent. Et alors, ce qui est absolument géant dans cette intuition, parce que c'est une intuition, évidemment tous les scientifiques et les généticiens ont hurlé dès que cette idée de la mimétique et des mèmes a commencé à se répandre, bien évidemment, parce que Richard Dawkins lui projette une dimension d'évolution darwinienne. Et bien évidemment, les généticiens ont dit non, les mots, les idées, les concepts ne se développent pas sur une logique darwinienne. Mais par contre, moi, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, ça m'a énormément parlé. Et ça devrait vous parler aussi. C'est-à-dire que nous sommes des créateurs de mêmes et nous véhiculons, nous transformons, nous générons des mêmes. Et alors, la chose très très rigolote, je vais aller, je vais pas vous faire le canonical milestone aussi sur l'évolution du vivant depuis
voilà, depuis l'aube du vivant, voilà. Mais je vais aller dans la grotte, et en fait, ça m'a énormément parlé, cette histoire de même, parce que ça m'a rappelé, paradoxalement, et je dis paradoxalement, parce que Richard Dawkins est un athée militant, anticréationniste radical, il est surtout connu pour ça. Mais on a un autre personnage intéressant qui fait le même inversion de pensée beaucoup plus tôt, dans les années 30-40, c'est Teilhard de Chardin. Et Teilhard de Chardin, lui, invente le concept de noosphère, la sphère du no. Alors, je ne vais pas vous faire la totalité de Teilhard de Chardin, ça, on y passerait des heures, mais c'est assez génial. Mais en gros, pour résumer, Teilhard de Chardin fait a une fusée à deux étages, je dirais, au niveau conceptuel. Le premier étage, il fait la même inversion de pensée. D'ailleurs, il remarque qu'il y a un moment dans l'histoire de l'humanité où l'humanité s'entoure d'images. Il y a un moment dans notre évolution, tout d'un coup, l'humanité a un espace collectif d'images autour de lui. D'ailleurs, j'ai représenté, pour faire plus équitable, la femme de Cro-Magnon, hein, parce que d'ailleurs, on découvre maintenant que c'est sans doute beaucoup de femmes qu'on fait les peintures rupestres. Et l'humain a un espace informationnel qui commence à l'entourer. Il va l'appeler, ce moment, la noogenèse et la noosphère. Pareil, le noo, c'est une bibliothèque entière qui tombe hein, sur ce préfixe, mais c'est, on va dire, la sphère de la spiritualité et de l'information. Alors, pour Teilhard de Chardin, c'est la sphère de la spiritualité, moi je rajoute, c'est le cyberespace. Hein, c'est les deux. C'est à la fois un espace métaphysique et un espace rationnel qui est le cyberespace. C'est sans doute moins 50 000 ans. À moins 50 000 ans, autour de moins 50 000 ans, l'humain s'entoure d'informations et commence à générer un espace informationnel. Et là, Teilhard de Chardin, là pour l'instant on est très rationnel, hein, très, très scientifique, mais Teilhard de Chardin fait un jeu mental, il fait une première invention de pensée à ce moment-là, il dit mais ce n'est pas l'humain qui génère la noosphère, cette sphère de l'information immense qui grandit, c'est la noosphère qui nous génère. Il fait la même inversion de pensée, que le même jeu, l'expérience de pensée que Richard Dawkins. Et alors, après, il saute juste une étape que moi, je ne franchis pas parce que je reste moi-même personnellement athée. Et donc, il rentre dans un processus d'illumination qui est très intéressant, qui va le faire d'ailleurs censurer par sa hiérarchie jésuite. Il dit, et cette entité qui est en train de se développer, cette entité informationnelle, hein, qui est en train de grandir, spirituelle, c'est le Christ. Et c'est un Christ cosmique. Alors évidemment, sa hiérarchie lui dit, non, non, mais vous arrêtez tout, là. Ça fait 2000 ans qu'on se fout sur la gueule sur la définition du Christ, on ne peut pas se rajouter un Christ psychédélique New Age par-dessus. Donc il est devenu d'ailleurs l'emblème d'une certaine modernité du christianisme. Mais on a d'autres personnes qui ont les mêmes intuitions, dans la même période que Dawkins, hein, après, donc longtemps après Teilhard de Chardin, c'est Philip K. Dick qui appelle ça des plasmes dans son bouquin qui s'appelle Siva. Je ne vais pas m'attarder sur les plasmes du Philip K. Dick, mais c'est à peu près le même concept. Et puis, je vais juste faire une aparté intéressante, parce que les métaverses sont à la mode. Dans le roman de Neil Stephenson, qui s'appelle Snow Crash, il parle aussi, il invente une entité informationnelle qu'il appelle le Namshub, qui est une sorte d'information qui devient vivante dès qu'on la lit. Hein, si vous lisez un texte, vous vous retrouvez contaminé par une information. Alors là, on a pas mal d'intuitions intéressantes qui formalisent l'information comme entité vivante. Je vais juste faire un saut. Combien de temps me reste-t-il ? 4 minutes, 4 minutes. Bah, je vais speeder un grand coup alors. Je vais pas vous faire la cybernétique. Je vous conseille d'aller voir la cybernétique, hein, des premiers penseurs qui va formaliser l'humain en tant qu'entité qui fait du traitement de l'information, c'est Norbert Wiener. Mais je vais vous montrer un mème. Je vais vous montrer un mème génial. Et d'ailleurs, il a été évoqué dans le diaporama de Marianne. J'ai jubilé en voyant, c'est l'arche, l'arche de Noé. Mais l'arche de Noé est très intéressante parce qu'en fait, l'arche de Noé est un mème très ancien. C'est-à-dire les mèmes, ce n'est pas juste des choses qui sont en train d'être véhiculées par notre technologie. En fait, les mèmes remontent à l'aube de l'humanité et un des plus vieux mèmes de l'humanité, c'est l'Apocalypse et l'arche, hein, l'arche salvateur. Et donc, on le trouve dans la mythologie mésopotamienne. Hein, on le trouve sur les plus anciennes tablettes de l'histoire de l'humanité, qui est l'épopée d'Atrahasis et l'épopée de Gilgamesh. Sur ces tablettes, on a d'ailleurs traduit récemment celle-ci, exactement, et on a les plans de l'arche. Hein, l'arche est ronde, c'est pour ça que je l'ai modélisée ronde, là, ici vous voyez. On a aussi un personnage, dans la seconde occurrence de mythe de l'arche, on a...
Vishnu, qui sort d'un poisson, vous voyez, là, avec ses quatre bras. Hein. Et Vishnu, c'est la première occurrence du mot avatar. Donc, associé à l'arche, salvateur, à l'apocalypse, on a l'avatar. Et alors, ça, ce mème va devenir évidemment le mème de l'arche de Noé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce ne sont pas les scientifiques qui sont en train d'envoyer des fusées dans l'espace, ce n'est pas les scientifiques qui sont en train de développer le monde contemporain. C'est nous. C'est nous, c'est vous. Les artistes qui êtes responsables de toute la merde qui se passe actuellement. Pourquoi ? Ben parce que vous, nous véhiculons ces mèmes-là. Et alors je vous montre, hein, je vous fais une petite démo vite fait. La concrétisation, là, on est dans le futur, c'est les fameux vaisseaux O'Neill, hein, les vaisseaux monde que j'ai modélisés là. Et en fait, l'humanité est en train de lancer de fabriquer l'arche. Hein, c'est-à-dire l'arche influe sur le destin de l'humanité, ce mythe de l'arche qui vient du vivant. Et nous sommes en train de construire, très concrètement, quand vous écoutez les discours des scientifiques qui, de la NASA ou de l'ESA, etc., c'est bien l'intention, c'est de migrer dans l'espace, hein, de construire de gigantesques vaisseaux pour aller essaimer dans l'univers. Alors je me suis même fait un petit plaisir là, c'est que j'ai modélisé la navette de... Alors, je n'ai pas modélisé, d'ailleurs, je l'ai récupéré sur le site de la NASA, la navette de 2001 d'ici de l'espace. Et donc, on peut la piloter. Là, regardez, je vous montre, comme nous sommes des grands pervers, les artistes, hein, c'est-à-dire à travers les mêmes, c'est que Stanley Kubrick, hein, le vaisseau, le grand vaisseau Discovery, c'est un spermatozoïde. C'est-à-dire, le design du vaisseau, c'est une métaphore sexuelle et c'est un spermatozoïde. Et 2001 raconte précisément ce processus d'expansion du vivant à travers l'humanité, vers l'univers, hein, qu'on appelle la néganthropie, ça a un nom scientifique, hein, c'est un processus qu'on appelle la néganthropie, l'entropie négative. La seule chose qui va à l'encontre de l'entropie universelle, qui est un ennui galactique, c'est-à-dire la matière se stabilise et tout ça, sauf une seule chose, tend au contraire à la complexification en bouffant mais un paquet d'énergie, c'est le vivant. Le vivant est dans un processus de développement et d'expansion néganthropique passant par l'information. C'est-à-dire le système, le vecteur qui permet au vivant de se développer, c'est de la transmission de l'information. Je dis souvent par provocation, la vie n'existe pas dans un sens matériel. La vie, c'est de la matière informée. C'est-à-dire ce que fait le vivant à travers l'ADN et tous ces systèmes-là, c'est de transmettre des schémas informationnels qui vont en se complexifiant. C'est-à-dire les premiers organismes simples ont disparu, nous avons des organismes de plus en plus complexes qui s'étendent, qui se bouffent les uns les autres, et ça, le vivant bouffe de l'énergie, comme l'humanité accélère le processus en ce moment. Et le seul organisme sur la planète actuellement qui peut s'affranchir de la pesanteur terrestre et poursuivre l'expansion néganthropique du vivant, et bien c'est l'humanité. Nous ne sommes qu'un outil dans le processus d'expansion du vivant. Et nous poursuivons. Pourquoi ? Ben parce que dans moins d'un milliard d'années, il n'y a plus de vie sur Terre. De toute façon, c'est-à-dire l'état du Soleil fait que la vie aura forcément disparu de la planète. Donc si la vie n'a pas quitté le système solaire, et pas que le système solaire, c'est-à-dire qu'elle a migré en dehors du système solaire, d'ici moins d'un milliard d'années, elle est foutue. Et il se peut qu'il n'y ait qu'une seule vie. Alors vous me dites, sur la métaphore sexuelle du grand spermatozoïde, vous me dites, bon, là, Yann, t'es barré, et c'est une interprétation très personnelle. Alors je vous ai mis juste l'image de fin de 2001, qui est là, qui est quand même explicite. Hein. C'est-à-dire la dernière image de 2001, le film, c'est un gigantesque bébé qui grandit dans l'univers. Hein, c'est vraiment carrément explicite, mais c'est tellement explicite que ça nous passe au-dessus. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi nous faisons ça ? Bah, c'est-à-dire que ces informations que nous traitons, ces mêmes qui viennent même d'avant les humains. C'est-à-dire que ce sont des transcriptions, moi je pense, des transcriptions métaphoriques des processus à l'œuvre au niveau des gènes. Et nous interprétons, c'est-à-dire vous faites des métaphores. Marianne a évoqué cette notion de métaphore. La métaphore est quelque chose de très important dans le processus artistique. C'est un processus mental global. Nous métaphorisons en permanence. Hein. Mais pas seulement nous, les artistes, la ville, la société, les architectes, tout le monde métaphorise. Et les derniers plans, derniers éléments que je voulais vous raconter par rapport à cette notion d'échappatoire, c'est quelque part, ce n'est pas un échappatoire. L'art n'est pas un échappatoire, au contraire, c'est on va vers l'essentiel. Hein. C'est-à-dire qu'on ne s'échappe pas, ou plutôt si, on échappe à l'entropie universelle. On va donc vers le cœur même du vivant, hein, de l'évolution, que nous, artistes, nous percevons.
Et je voulais juste vous raconter un dernier truc. C'est dans ma vie de cyberpunk. Je suis un cyberpunk, je me définis comme étant un cyberpunk, un voyou cybernétique. Et alors c'était très intéressant aussi, parce que je rebondis sur ce que Marianne disait aussi sur cette volonté. Alors, je suis même très heureux de découvrir à travers son témoignage que les artistes ont encore conservé ces tropismes cyberpunk, c'est-à-dire de transgression des règles, transgression du système. Quand j'étais aux Arts Déco, la première institution que j'ai hackée, comme tous les étudiants d'art à un moment ou à un autre, c'est mon école. Hein. C'est-à-dire que, comme elle fermait à 10h du soir et qu'il y avait plein de matos vidéo auxquels je voulais avoir accès, je me laissais enfermer dans l'école. Je me laissais enfermer et là, à 1h du matin, je ressortais de l'école pour faire mes montages. Et ensuite, avec notre groupe d'artistes, on a continué ça. On a continué cette stratégie-là et on a hacké les studios de télévision. C'est-à-dire qu'en fait, là je vais juste me mettre là pour occuper l'écran, c'est l'installation d'art vidéo que j'ai présentée à Beaubourg, une installation immersive, justement inspirée de tout ça, que j'avais présenté au Centre Pompidou en 1983. Et donc d'une certaine façon, j'ai hacké le Centre Pompidou à l'époque. Mais je reviens sur les stratégies, c'est-à-dire que... avec les maîtres du monde, on avait créé un groupe qui s'appelait les maîtres du monde et on se démerdait pour traîner. Alors, par exemple, moi, quand je bossais à M6, j'ai toujours financé ma création artistique par mes activités commerciales. C'est-à-dire que très vite, j'ai mis en place des stratégies. Il n'est pas question de faire de l'art à la télévision. Très tôt, du fait que j'avais une expertise en vidéo, je me suis retrouvé à bosser pour la télévision. Et très vite, j'ai compris que art et télévision, c'est niette, ça ne marche pas. Et donc, ce que j'ai toujours fait dans ma vie d'artiste, ça a été de financer à travers une stratégie de hacker cyberpunk les studios de télévision pour faire mes œuvres d'art, pour faire mes créations artistiques. Et à tel point qu'on avait mis en place des stratégies communes avec le groupe des Maîtres du Monde, et chaque fois que l'un d'entre nous réussissait à avoir les clés d'un studio, la stratégie, c'était de rester seul, de se retrouver seul en studio, de prévenir les potes, de dire « Ah, ça y est, j'ai les clés », et on passait la nuit, parce que vous imaginez bien, ça valait 30 000 francs à l'époque, la journée de studio vidéo, pour faire de l'art numérique, hein. C'est pas l'art numérique, à l'époque c'est de l'art vidéo, maintenant c'est l'art numérique. Les outils ne nous sont pas accessibles, ils sont extrêmement chers. Donc il faut mettre en place des stratégies pour hacker le système. Et donc l'une des règles du cyberpunk, c'est ne te fais pas instrumentaliser par le système, instrumentalise-le. Hein. Et notre chance, c'est que nous sommes des artistes. Nous avons un espace de liberté absolument fabuleux. C'est pas un échappatoire, c'est plus qu'un échappatoire. C'est une véritable, on l'a dit, émancipation, hein, le fait d'être artiste, c'est une chance inouïe. Et je vous raconte la dernière anecdote, donc évidemment, c'est pas sans danger. C'est-à-dire que un jour que je bossais donc, pour une boîte de prod qui bossait pour M6, la directrice de production se doutait que je faisais des choses bizarres la nuit. En fait, d'ailleurs, je tournais des plans, des rushs BDSM, suspendant des amis sur le plateau pour pouvoir faire mes films de création à côté. Et c'était assez épique aussi comme truc. Et elle a dit au stagiaire, je veux que tu espionnes ce que fait Yann Min dans les studios la nuit, et si tu me rapportes quelque chose d'intéressant, je te fais un CDI. Et cet enfoiré qui était très sympathique a joué le jeu, et donc il m'a dénoncé à la production. Et je me suis fait virer. Alors c'était pas très grave, hein, c'était pas très grave pour moi parce que de toute façon j'avais développé suffisamment d'expertise dans le traitement de la vidéo pour retrouver du boulot immédiatement après où j'ai commencé à faire des émissions de télé, des documentaires sur les nouvelles technologies. Mais donc voilà l'échappatoire ou le but. Donc je conclue donc, je dis, je reviens un peu en arrière, l'art. C'est plus qu'un échappatoire, c'est qu'on va à l'essentiel. On retourne à l'essentiel qu'est l'évolution du vivant. En termes de traitement de l'information, nous sommes des vecteurs d'un processus qui est à l'échelle du vivant lui-même. Voilà. Hein, ça va, là. Je déborde pas trop. Merci. Bon. De toute façon, je pense qu'on va rebondir sur pas mal de notions que vous avez abordées parmi les questions. Je me tourne d'abord vers vous, le public, pour savoir si vous aviez des questions, justement, au sujet de son intervention. Oui, les oreilles sont branchées sur ma pensée et bougent avec ma pensée, c'est un jouet japonais. Arnaud, tu avais une question ? J'ai une question.
question par rapport au musée, un musée qui est téléchargeable du coup. Oui. Sur votre site. Oui, il est téléchargeable sur tu cherches nos pédagogies. Moi je mets nos partout devant, je vais te l'écrire là. Et tu cherches sur Google nos pédagogies en un seul mot et tu vas tomber sur la page où on peut télécharger les trois versions. Dans l'idée, il reprend toutes les œuvres et ce que vous pensez d'artistes. Alors, le musée, c'est mon support de cours. Je suis un des rares profs dans le monde qui donne cours dans un univers virtuel au lieu dans du PowerPoint. Ça fait depuis 2003. Et il ne fonctionne pas autonome. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait admin qui commente ou que tu aies assisté à un cours. Parce que sinon, tu vas te balader dans un joli décor. Il y a même des trucs cachés. Il y a un flipper caché. Il y a des trucs vidéoludiques à quelques rares endroits. Mais c'est un très bon support pédagogique, c'est-à-dire que l'étudiant qui a suivi un cours avec moi dans le Nohu Museum, en refaisant le parcours, déclenche un processus très ancien qui s'appelle l'ars memorativa, qui va favoriser en fait, le fait qu'il se déplace dans un labyrinthe, et la même chose, même si c'est juste avec les doigts qu'on se déplace et pas avec les jambes, reproduit une vieille technique où les disciples marchaient derrière le maître, dans un jardin ou dans un monument, et où le maître donnait un cours en fait, de philosophie, de science ou de maths, en commentant le parcours. Et donc ça, c'est un truc de chasseur-cueilleur, c'est-à-dire le cerveau, automatiquement, quand vous avez fait un parcours, se rappelle les événements qui ont été associés au lieu visité. Et donc c'est un procédé mémotechnique qu'on appelle aussi les palais de la mémoire. Et donc le Nohu Museum est basé sur ce principe-là, et ça marche super bien. Je pensais que on allait tous faire ça depuis 10-15 ans, 20 ans même que je fais ça. Mais pour l'instant, je cumule plusieurs expertises. Et c'est vos générations qui commencent à avoir l'expertise naturelle de fabriquer de la 3D. Tu vois, de fabriquer des métaverses. En fait, c'est une technique de métaverse. Et ça aussi, c'est pas un échappatoire. Hein. Les métaverses, c'est une façon de shifter. Hein, dans un univers. Alors, je ne vous l'ai pas fait non plus, j'avais envie de vous le montrer. C'est la notion d'avatar, hein, d'avatar à la troisième personne et de métaverse qui est très à la mode actuellement. Et moi, je me suis immergé à 200-300% en particulier dans Second Life. Et donc, j'ai vécu dans un univers parallèle numérique, créatif, qui m'a permis de vivre des états de conscience modifiés absolument fabuleux. Mais qu'on ne peut connaître qu'en pratiquant à la fois les avatars à la troisième personne dans des relations sociales dématérialisées, mais aussi la cybersexualité. Parce que le sexe, c'est pas rien, hein, c'est très important. C'est le moteur du vivant, c'est l'un des principaux moteurs néganthropiques du vivant. Donc quand vous commencez à mélanger art, sexualité, métaverse et avatar, on est au cœur même de ce truc, qu'est le vivant, qu'est le processus néganthropique à l'œuvre en ce moment. Et là, on a des vraies illuminations d'ordre, je dirais, d'ordre métaphysique. Mais en art, ce n'est pas vraiment de la métaphysique. Hein. Tous les artistes, vous le savez, vous connaissez tous ce processus-là, hein, où vous sentez, quand vous êtes en train de faire une œuvre, où vous êtes connecté à quelque chose. Et je ne veux pas rentrer dans une mystique, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas connecté à Dieu, vous n'êtes pas connecté à des démons venus de je ne sais où, vous êtes connecté au vivant. Hein, vous êtes connecté à un espace informationnel, nous sommes connecté à un espace informationnel, et de temps en temps, le dessin, la peinture, le travail artistique nous met dans un état de conscience modifié où on s'ouvre. Alors on utilise les mêmes termes que les mystiques, il n'y a pas de hasard, mais nous avons une façon, une technique que vous connaissez tous, qui est difficile à transcrire, que vous pouvez transmettre, qui vous permette d'avoir accès à la noosphère, à l'espace informationnel du vivant et de l'humanité. C'est bien, je deviens lyrique là, je suis inspiré. Voilà. Et puis donc là vous voyez mes avatars, ça c'est tous mes avatars dans Second Life, dont pas mal d'avatars féminins. Ça aussi, c'est un truc fabuleux. Hein, c'est-à-dire de pouvoir vivre le transgenre, hein, de vivre avec d'autres identités sexuelles dans des relations dématérialisées. Ça, pareil, ça ouvre pas mal de portes que je n'imaginais pas.
Et là, je vous montre mes avatars quand j'étais môme aussi. C'est-à-dire, ça, c'est moi quand j'étais jeune. Donc, vous voyez, j'ai plutôt un look de marin breton. Mais j'avais un petit côté un peu asiatique à l'époque. Donc, j'ai vécu plusieurs identités d'avatars. Et ce qui est magique aussi actuellement, c'est la possibilité donc, de se changer, hein, avec les nouveaux logiciels, de changer d'identité, hein, dans le genre. Et d'avoir une vie sociale transgenre dans les métaverses. Et là, c'est que je voulais évoquer. C'était ma famille bretonne, dont mon père et ma mère au centre, hein, et qui m'ont permis de vivre très très tôt cette émancipation artistique. D'autres questions ? Parce que c'est dangereux les questions avec moi, vous avez vu, je parle une demi-heure. J'ai une question qui était. Avant que quelqu'un d'autre ait une question ? Je crois que ça. J'ai une question qui était un peu plus technique. C'est Unity, vous modélisez aussi sur Unity ? Non, Unity, tu peux pas, enfin, c'est trop sommaire en termes de modeleur, c'est pas un modeleur, donc je modélise sur Cinema 4D. Cinema 4D ? Ouais, c'est ça, mais tu peux modéliser sur... moi j'aime bien Cinema 4D parce qu'ergonomiquement il est facile, mais tu as Blender qui est gratuit, qui est très très performant, mais alors qu'il y a un peu... dans l'interface, c'est un peu usine à gaz, quoi. Voilà. Mais en fait, on modélise avec ce qu'on veut. Surtout au niveau technique, un conseil, quand vous fabriquez des choses pour les mondes virtuels, c'est très technique, hein, ce que je veux dire, mais exportez-les en FBX ou en d'autres formats qui sont pérennes. Il ne faut pas rester sur un format propriétaire. Rien ne garantit que Cinema 4D et Maxon soient toujours pérennes dans les années qui viennent, et vous risquez de perdre, ce qui m'est arrivé, une grande partie de votre boulot qui devient incompatible avec les nouvelles évolutions des logiciels. C'est... Bon, c'est bon ? Est-ce qu'il y a une autre question ? Non, je vais poser les miennes. Oui. Alors, j'avais regardé aussi l'émission Le Rendez-vous des Futurs que vous aviez... ah oui. Voilà, à laquelle vous aviez participé en mai 2021 avec Éloi Choplin et Nils Aziosmanov. Aziosmanov, ouais. Éric Viennot, qui est auteur et game designer pionnier des jeux transmédia, faisait remarquer qu'il y avait un danger à l'utilisation des algorithmes. Et vous lui aviez donc répondu ce dont vous venez nous parler actuellement, que la philosophie cyberpunk, c'était justement de hacker le système, oui, pour ne pas se laisser instrumentaliser par lui. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment dans cette démocratisation éventuellement de la pratique du hacking, qui n'est pas accessible à tous et donc qui ne permet pas à tout le monde de s'échapper de la sphère de... Ah mais si. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Et je suis assez content que tu me l'aies posée, dit-il, pour essayer de parce que je voulais aller dans un autre niveau, mais c'est pas grave. Je voulais aller dans le niveau du futur. Je sens que je vais y arriver à un moment ou à un autre. Alors, le hacking, d'abord, le mot hacker est un vieux mot anglais, hein, ça veut dire hacher. Et il y a un bouquin à lire qui est génial, qui est le bouquin de P.K. Eminem, qui s'appelle « Éthique hacker ». Et il n'y a pas que les informaticiens et les programmeurs qui sont des hackers. Hein, c'est-à-dire tous les artistes, Léonard de Vinci était un hacker. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une carrière artistique, on ne peut pas ne pas hacker le système. C'est-à-dire hacker soit le système, soit la peinture, soit les règles. Hein, c'est des transgressions permanentes. Et ce que racontait Marianne, ils ont hacké. Hein, l'histoire géniale qu'elle raconte des aspirateurs, enfin du nettoyage après, enfin de trouver un moyen de hacker leur école, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a besoin, on est habité par ce qu'on a à faire et on va, tous les moyens sont bons pour y arriver. Alors oui, alors effectivement, j'ai toujours eu ce problème-là. Moi-même à l'école, il y a effectivement, t'as des masses de processus, je dirais capitalistes globaux, qui font que la majorité des gens vont rentrer dans des processus, je dirais stéréotypés commerciaux. Hein, à mon époque, ils étaient passionnés par des trucs qui m'emmerdaient prodigieusement, qui étaient le foot, le tennis ou la voile. Lorient, c'est une ville de voiliers, alors c'était la voile. Et puis on a des phénomènes massif comme ça. Moi, j'ai une attitude qui est que alors c'est ma posture. Je ne généralise pas. C'est-à-dire, je comprends que les gens vont. Tous ces outils sont des outils, des amplificateurs. Faut raisonner à la McLuhan.
tous les outils que nous utilisons sont des amplificateurs de quelque chose. Et en l'occurrence, l'art est un amplificateur existentiel. Et ce que les mass médias véhiculent, comme les réseaux sociaux numériques, ce sont des amplificateurs existentiels. Donc nous allons choisir les amplificateurs existentiels et la sphère qui nous correspond. Moi, j'ai déconnecté de cette sphère-là, et puis je me suis mis à quel système. Et nous allons être un certain nombre à quel système. Maintenant, effectivement, il a raison, il ne faut pas rêver. On ne va pas transformer la planète en hacker. Et effectivement, comme je l'évoquais au tout début, j'ai un côté un peu désabusé. C'est-à-dire que j'ai été éduqué pour la révolution. Je sais ce qu'est la révolution. Et on ne va pas changer, on ne peut pas changer ce système dans lequel on est comme ça. Hein, on ne peut pas le changer par des bonnes intentions. Hein, on peut montrer des choses. Donc, moi, je raisonne à mon niveau. Je fais ce que je peux et à mon niveau. Et donc, je hack le système à mon niveau. Et déjà, c'est pas mal. J'ai eu une vie géniale. Hein, je suis super content d'avoir. Je suis encore vivant, tu vois. Alors que je pensais que j'allais mourir. Je pensais pas déjà voir l'an 2000, tu vois, dans une vie de cyberpunk hyper speed barrée. Je pensais pas que j'allais vivre l'an 2000. Ensuite, pour des tas d'autres raisons rigolotes, je pensais que j'allais mourir à 42 ans. Hein, 42, c'est la réponse. Et là, vous voyez, je suis toujours vivant et je mène une vie géniale. Donc, je me dis, ça, c'est bien. C'est bien. Et effectivement, je me chope la violence, comme tous, je me chope la violence sociale en permanence. Je me suis retrouvé à la rue à 55 ans parce qu'il n'y a plus de boulot à 55 ans, par exemple. Et donc j'ai été sauvé in extremis. Nous chopons en permanence cette violence de la société. Et ce qu'il y a de génial avec l'art, c'est que si tu n'as pas l'art ou autre chose qui, à chaque instant de ta vie, t'apporte du plaisir, des gratifications, tu finis par sombrer dans une dépression totale dans ce monde-ci. Hein, c'est un monde... Thierry Gilliam, quand je l'avais interviewé, disait « Notre dernier espoir d'échappatoire », il parlait de Brésil, c'est notre cerveau, c'est notre esprit. Dans ce monde de plus en plus totalitaire, de plus en plus concentrationnaire, notre dernier espoir, c'est notre esprit. Mais c'est plus sur l'entire système d'un corps, c'est le système nerveux, c'est les communications à l'intérieur de la chose. And I felt the world of Brazil was like being inside of a body. And the body was this social body, this civilization that one had created. And information now, I suppose, is more the nervous system than the guts of the thing. Except there's probably more shit coming through the cathode ray tube than just information. I love the idea of recognizing the importance of shit in the world. My company is called Poo Poo Pictures. Now, the main reason I did that was because I wanted something as childish as a name like that, so that lawyers and accountants and all sorts of people who wear suits and are important people and bureaucrats have to sit around in meetings talking about Poo Poo Pictures. They have to talk baby talk. That's the main thing. That was the primary reason, was to embarrass those people. I still ultimately believe that the ultimate freedom is in you, not in the machinery that you play with. The minute you hook into the machinery, it's like central services. You know, they bring the stuff in, and they also, and they take the stuff out, but they have control of you. Once you're hooked into it, you're there. You're part of that technocracy. You can't escape from it. That's the price of admission. You have to join in. And the only other escape is physical escape gets harder and harder because the world becomes more and more enclosed. And eventually, the only escape may be inside your own brain. Et là, vous voyez ce qui est en train de se passer. Hein. C'est-à-dire, ils veulent le contrôler, notre esprit. Hein. C'est la dernière bascule là, qui vient de se faire, hein, avec la notion de métaverse. Les métaverses existent depuis longtemps. Sauf que, ça aussi, c'est important à savoir, la révolution hippie, techno, a généré l'Internet. C'est-à-dire, l'Internet est né d'une utopie et d'une croyance dans le fait que l'informatique allait nous libérer. Et ce qu'on a fait est très intéressant parce que, et comme l'Internet à ses débuts, ça a été des espaces d'absolue liberté. C'est-à-dire, tout était possible. Très, très peu de contrôle. Second Life, on pouvait tout faire. Ils ont été obligés de freiner des trucs parce que le fisc américain leur est tombé dessus. Mais sinon, on pouvait absolument tout faire. Vous voyez ce qui se passe actuellement avec les réseaux sociaux. Hein, c'est-à-dire, on a des gens comme Zuckerberg et d'autres qui s'arroge le droit de contrôler ce que vous pouvez lire, voir et entendre. On est à l'opposé
de l'émancipation hippie. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai connu l'émancipation hippie et j'ai connu ce moment merveilleux d'un espoir de plus de liberté d'expression, plus de liberté de tout. Et là, on rentre dans un monde, on a eu cette explosion qui a été les LGBT, que j'ai trouvé absolument géniale. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a eu une libération du corps, hein, qui est née des mouvements féministes, où on se réapproprie le corps. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les transhumanistes, les BDSM, les LGBTQI? Ben, c'est le corps. C'est-à-dire la revendication, mon corps m'appartient et j'en fais ce que je veux. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer avec la pandémie? C'est le retour du bâton de qui? Du corps médical. On a une symbolique presque lacanienne. Là. Il y a le corps médical qui vient de reprendre possession radicalement de tous nos corps, et à l'échelle planétaire. Alors, je n'ai pas encore la réponse, hein, mais je trouve que c'est d'une signification absolue ce qui est en train de se passer. Et c'est normal pour nous, artistes, qu'on se rebelle, qu'on essaie de trouver des portes. Hein, et ça fait partie de... C'est même une nécessité. Hein, voilà. Je peux parler encore 3 heures comme ça. Donc, faut que j'arrête. Une question par rapport à quand vous expliquiez que c'était surtout un support pour vos étudiants, étudiantes, c'est bon. En fait, je me demandais si vous aviez déjà pensé à le développer d'une manière où toutes ces informations qui sont compilées dedans puissent être justement plus accessibles à tout le monde. En fait. Alors, ça fait des années que j'essaie de financer la chose. Tu vois, c'est-à-dire que je bosse en permanence tout seul dessus. Et j'ai déjà contacté des gens, essayé d'obtenir des aides, des subventions, de développement pour en faire. Alors, bien évidemment, quand je l'ai présenté à la SAT, j'ai eu une bourse d'études à la SAT à Montréal, la Société des Arts et Technologies, qui était géniale d'ailleurs, et où on a projeté le Neo Museum, on a développé le Neo Museum dans une grande sphère, hein, en immersif. Et là, quand je l'ai présenté, quelqu'un m'a dit « Mais Yann, ton truc, il n'y a que Yann Min qui peut le faire et qui peut s'en servir. » Et ce n'était pas entièrement faux, puisque je développe une expertise que, effectivement, tout le monde ne peut pas avoir. Et l'idée que j'essaie de vendre, c'est je fabrique des modèles de musées dont il y a juste les médias à changer. Tu as juste les médias et puis n'importe qui, très facilement, change les médias à l'intérieur. Et le modèle commercial, alors ça c'est gratuit, ça serait gratuit sur Internet. Et le modèle commercial, ça serait qu'on commande des musées spécifiques. Si tu as une demande particulière d'un musée médiéval ou d'un musée science-fiction, bah, tu commandes un musée. Ça serait le modèle économique. Alors j'en parle depuis des années, mais ça aussi, ça c'est les... C'est pas ma destinée, hein. C'est-à-dire que si vous avez de la chance, ce que vous faites en art va correspondre à un moment et vous allez devenir très très riche et ça va marcher. Alors moi je corresponds à ceux pour qui je suis complètement à chaque fois déconnecté du temps réel. Je suis juste un tout petit peu trop devant, tu vois, ce qui fait que bah, je vivote, économiquement je vivote, quoi, tu vois, voilà. Mais si parmi vous, il y a un multimillionnaire ou un créateur d'entreprise qui peut monter une start-up sur ce projet-là, n'hésitez pas. J'ai répondu à ta question? Parce qu'il faut faire rêve, des fois, je me barre. Je vous montre juste un truc. S'il n'y a pas d'autres questions, ça va être très vite. Là, j'ai représenté l'évolution de l'humanité depuis moins 600 000 ans. Moins 130 000 ans. Hein. On est 0,5 million d'habitants sur la planète. Et là, je remonte l'histoire de l'humanité. Hein. Donc, vous avez vu, c'est long. Hein. J'ai mis une voiture un peu phallique. Là. Hein, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Et puis, on va arriver justement à la noosphère. Hein. Vous voyez, alors, je remonte, hein, c'est long. On est toujours 500 millions d'habitants sur la planète. Hein. Ça ne bouge pas beaucoup. Et là, vous voyez, les peintures rupestres, etc. Là, c'est le moment où l'humanité commence à s'entourer d'informations. Et là, on a un processus d'accélération, d'ailleurs, qui ressemble beaucoup à la loi de Moore. Là, c'est la Vénus de Willendorf. Hein. Et puis, on commence à se rapprocher de maintenant. Donc, vous avez vu déjà tout le chemin que je viens de faire. On est toujours 500 millions d'habitants sur la planète. Là, on vient de passer à 10 millions. Hein. Et on a les arches préhistoriques. On va avoir les premiers temples. Vous avez vu, ça s'accélère. Hein. C'est grave comme ça s'accélère, là. Hein. C'est-à-dire qu'on vient de passer de la Vénus de Willendorf quasiment à Rome. Et à l'Empire romain. Et là, 400, en l'an 400, nous sommes 200 millions. Vous voyez, c'est le petit carré rouge. 200 millions d'habitants sur la planète. 2012, nous sommes 7 milliards.
Et là, vous voyez, le gros carré rouge, c'est 2050. Hein. Alors, j'ai une autre caméra. Ah merde, il a planté. Ah non, il n'a pas planté. Ouf. Non, alors, c'est le projecteur. C'est le vidéoprojecteur qui... Voilà, bah, il a pété un plomb quand il a compris. Il a compris. Vous avez vu l'immense carré rouge, hein. C'est ce que vous allez vivre. C'est l'enjeu dans lequel nous sommes actuellement. Hein. C'est-à-dire, c'est la... Ouais, on les voit mieux, là. Hein. Et donc, c'est... Alors, moi, je dis, c'est un truc qui terrifie tout le monde, mais j'adore en tant que cyberpunk. Les cases de réalité virtuelle, la réalité virtuelle, les métaverses, c'est la télévision de demain. Comment on a pu empiler des millions de gens dans des immeubles médiocres, dans l'architecture médiocre, sans qu'ils pètent les plombs, c'est qu'on a ouvert une petite fenêtre sur le cyberespace qui a permis de s'évader, hein, sur une représentation cyberspatiale du monde réel qu'est la télévision. Là, nous sommes, et vous êtes, les futurs acteurs de la télévision de demain, c'est-à-dire que pour que les gens supportent le confinement, les confinements à venir, et la vie concentrée dans les grandes mégapoles et mégalopoles, il va falloir leur offrir un cyberespace qui soit digne d'intérêt. Hein, là, actuellement, il n'est pas génial, mais on voit bien que l'humanité est en train d'énormément... dans le voyage spatial, mais ça, c'est trop tôt, on n'est pas prêt encore à migrer. Hein. Donc, en attendant les grandes migrations stellaires, il va falloir fabriquer un cyberespace qui soit digne de l'évasion dont nous avons besoin. Je vais rebondir justement sur le cyberespace, vous m'avez tendu une perche pour ma question. Alors, Bernard Stiegler nous dit que si d'une part la technologie informatique et numérique produit de la néganthropie, oui. Qui poursuit la vie par d'autres moyens que la vie. Il nous dit également que c'est une accélération de l'entropie qui participe à l'anthropocène contemporain par la possibilité d'une destruction de la vie. Alors, je suis totalement à l'opposé, voilà, de la notion de néganthropie de Bernard Stiegler. Voilà. Je dis le contraire. Parce que vous êtes plutôt transhumaniste. Enfin, non, je ne suis pas transhumaniste parce qu'il y a une limite dans le transhumanisme. Mais j'aime bien le transhumanisme parce que c'est un post-cyberpunk, c'est de la fiction. Hein. Et puis, les transhumanistes... C'est très peu de gens en réalité, c'est-à-dire que les vrais responsables de la merde dans laquelle nous sommes, c'est les grands capitalistes, c'est pas les transhumanistes, hein. Ceux qui sont en train de développer toutes les technologies de longévité, toutes les technologies de transformation, toutes les technologies médicales, etc., c'est les grands laboratoires, c'est la Fertigman, et jamais ils vont dire qu'ils sont transhumanistes, c'est totalement contre-productif pour eux. Donc on a une vraie dérive eugéniste qui est en train de se développer actuellement, mais elle ne vient pas des transhumanistes, elle vient de notre système traditionnel. Et ça, massivement. Les transhumanistes, c'est quelques penseurs sur la planète qui ne sont responsables de pas grand-chose, hein, sinon d'avoir formalisé un certain nombre d'idées. Après, c'est un vaste sujet, le transhumanisme. Mais par contre, sur la néganthropie, la vision qu'a Stiegler lui est propre, elle est bien. Elle est bien, mais ce n'est pas la même signification. C'est-à-dire que je rentre plutôt dans la pensée Alors en fait, le problème du mot néganthropie, c'est que c'est le bordel. Donc on le récupère tous. Hein. Donc on a d'un côté les scientifiques avec Shannon, donc celui qui a le plus formalisé la néganthropie, mais de façon, je dirais, scientifique, c'est Shannon avec la théorie de l'information, qui est une néganthropie appliquée, hein, très concrètement, à la théorie de l'information, aux signaux, etc. Mais on a deux autres allumés qui sont plus rigolos, que j'aime bien, qui sont celui, le chat, là, Schrödinger et Norbert Wiener. Et eux aussi formulent le concept de néganthropie, mais alors, pareil, ils rentrent dans cette vision poétique. C'est-à-dire que quand on lit Wiener, quand on lit Schrödinger, je suis plus dans cette vision de la néganthropie de Wiener et de Schrödinger, qui est ce processus d'expansion et de complexification du vivant. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Hein, alors la noosphère est un concept mystique, si tu veux, mais qui tend. Alors il y a un bouquin qui est excellent que je vous conseille. Alors, tiens, ben voilà. Ça, par contre, je vous lis juste un petit extrait. Donc c'est écrit par des scientifiques. C'est Dessal, Gaucherel et Pierre-Henri Gouillon. Le fil de la vie, la face immatérielle du vivant. Et là, je vous lis juste ce petit paragraphe parce qu'il va très bien illustrer l'intuition que j'avais qu'il formalise de façon un peu plus rationnelle. Il est vrai que l'information a un côté immatériel qui ne se réduit pas à la matière qui la porte. La même information peut être portée par une molécule d'ADN, puis être recopiée sur un circuit à base de transistors, puis transitée par les cellules magnétisées d'un disque dur d'ordinateur pour enfin
revenir sur une molécule d'ADN, comme dans l'expérience de Venter. La seule chose commune entre ces états chimiques, électriques et magnétiques, c'est l'information qu'ils portent. L'information est une entité abstraite qui ne dépend d'aucune forme de matière. Cela en fait-il une notion scientifiquement suspecte? N'étant pas matérielle, porte-t-elle un parfum de surnaturel qui la rapproche de la théologie en l'éloignant de la science? Donc voilà, il pose la bonne question. C'est-à-dire qu'on est dans une nouvelle, en ce moment, une nouvelle définition de la notion d'information. On s'aperçoit que l'information, c'est un processus dynamique, c'est-à-dire qu'il faut un lecteur, un codeur et un décodeur. Donc le monde matériel fournit les codeurs et les décodeurs. Notre cerveau est un système biologique de codage et de décodage. Mais il y a quelque chose d'autre qui est transmis et qui est véhiculé d'immatériel, qui n'existe que dans un temps donné par un processus de codage et de décodage. Et ce truc immatériel agit sur la matière. C'est-à-dire le vivant, c'est de la matière. C'est la matière informée. Informée par quoi? Par l'information. Et là, c'est vertigineux. On commence à percevoir ce truc-là. Et le processus négantropique à l'œuvre est un processus lié à l'information. C'est-à-dire il y a quelque chose de nature informationnelle. Et attention, je ne suis pas en train de faire du... Pareil, le grand danger là-dedans, c'est de tomber dans le créationnisme. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une entité consciente avec un déterminisme. Il y a un processus. C'est un processus qui est apparu, par hasard ou pas, on ne sait pas, à l'aube du vivant sur cette planète, et qui se propage et dont nous sommes les vecteurs. Tu vois? Voilà. Nous sommes les vecteurs de négantropie. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta remarque. C'est bon, bien sûr, bien sûr, c'est tout à fait logique. Bon ben merci, un grand merci, merci à vous, un grand merci. Merci. Et n'hésitez pas, pareil, à me contacter. On va juste écourter la pause et la faire passer de 30 minutes qui sont prévues à 10 minutes pour avoir le temps de voir Thank you.